fameux cadeau de chocobo. Et oui, Chocobo! Et Chocobo's arrivant! C'est parti pour Forbidden West! Et merci pour le follow Torterra, comment ça va? Bienvenue à toi! GG Météo pour la bataille royale! Voilà, il a tout démonté, voilà, voilà! Coucou! Bastos, comment ça va depuis le temps? Ouyouyou. Salut, vous les arrivants. On avait dit qu'on ferait, je sais pas, sur le jeu, je sais plus. D'abord faire de la recherche. Ça. J'en ferai bon usage. Alors, la quête était là-bas. Ah oui, on avait récupéré notre pioupiou, alors du coup on peut faire la quête là-bas. Du coup on a pas mal de recherches à faire. Ah oui, on voulait d'abord aller là. Ah, on va commencer par des rampons, ça va être bien violent. Ça sent la mort. Il est où mon drapeau? Ah, il est là-bas. Oh, moi, tranquillou, tranquillou. Ah bah ouais, tout ce qui est administratif... c'est l'enfer, on est d'accord, c'est absolument l'enfer. Tu te fais chier pour rien. Oui. Oh, il est où? Le sauvage apparaît. Allez là-bas. Il est beau, hein. Il va piquer, je pense, mais il est beau. Approche. Les buissons sont assez loin quand même, hein. Capte. Un autre sérum. Peut-être l'un des ratisseurs. Je pourrais en apprendre plus sur ce qui leur est arrivé. Ah. Bah d'accord. On va en apprendre plus, mais on n'est pas pour ça à la base, mais... Bah hier aussi et dimanche aussi, ça fait ouais, 3 jours, super calme. C'est les mêmes jeux que je... Ah, tu les as effrayés, voilà. Ah bravo. Faisons.
Ouais, mais ça change rien pour les adultes, les. À part 2-3 chococos, la plupart ça change rien, ils bossent. C'est pas l'autre purge qui sera efficace contre elle. Par contre, je suis étonné, on n'est pas emmerdé par les petits cons. Quand c'est les vacances en général, je suis obligé de passer en follower only sur le chat tellement c'est. Plein de choses détachables. Eh ben ça en fait des choses détachables. Bien. Après moi je sais même pas la zone où je suis hein. Ouais, les zones, j'ai oublié avec le temps. Et... qu'est-ce qu'on va essayer de shipper? Quelle jolie petite bébête! La queue qui pourrait être pas mal. Toujours prendre la queue. En général. Légendaire, souvent c'est la queue. Après je suis parti un peu trop sur l'autre, pas touché la partie que je voulais. Il y a une sorte de petites hélices aussi rose en rose que j'ai marqué. On va y arriver petit à petit. Au combat, je peux engager le combat, mais ça va être chaud patate quoi, il va nous défoncer. On le désosse petit à petit. La technique. C'est bon. Il me reste les parties à gauche là. Après certaines j'ai l'impression qu'elles sont protégées, elles sont en dessous d'autres choses. Ça paraît un peu compliqué à voir. Elles sont sur leur garde. Bon ça elles sont, il n'y en a qu'une. Qu'il y en a qu'un en vrai hein, parce que comme c'est un gros lui
pas de la chance. J'ai Yu-Yu et Bastos, un niveau de plus. Je sais pas trop comment avoir le reste. Coucou Fighters, Kumikawa. On va aller au combat, on va aller un peu au combat, ça va piquer mais on va y aller. Alors, il y a des choses par terre, oui. Bah moi ça va bien, on a eu un petit rampant, là ça va très bien du coup. Ça va super bien. Un petit rampant d'Elm Reveis. On a quand même du violet. Est-ce que j'ai du légendaire? Je crois que c'est une arme, ça, c'est... Je ferais bien de fouiller la zone. Ok, on va fouiller la zone, mais d'abord on loot. On veut le butin d'abord. Oh, pauvre petit cochon. Il s'est fait ramper.
Alors apparemment il y a des cadavres. En même temps, ils se sont pris le rampant, c'est tout. Y a quoi? Y a pas grand chose à... Ah c'est ça, c'est pour ça. Un souvenir personnel sur lequel les indications sont gravées. Et monte jusqu'à son sommet où t'attendra. De nouvelles indications gravées. Ok, c'est pour ça. Bah, j'ai bien fait venir là, du coup, on a trouvé un objet. C'était sûrement leur équipe. Bon, je devrais bientôt découvrir ce qui est arrivé à l'équipe de ratisseurs. Bah, on a trouvé. Et leur rampant, qu'est-ce qu'elle comprend pas? C'était pour trouver un objet ici, donc ouais. En fait, si vous trouvez tous les objets, je suppose, hein, me dites pas, mais. Il y a un trésor à la fin, parce que c'est donne de... chaque objet donne des indications sur un trésor, donc. J'en ferai bon usage. Ouais, je suppose. Donc ça, c'est bon. On va aller par là. Il y a des sites de cornes filantes là-bas. Est-ce qu'on peut grimper? Pas un mur qu'on peut escalader. C'est beau aussi ici, hein. Oh la vache. C'est magnifique. Oh là 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 là. Le jeu, mais... Pff, il met une claque à chaque fois, il nous met une claque. C'est un truc de dingue. Moi, oh, génial. Alors, un instant. Répondre et c'est bon. Ah, vous avez le café, les chocobos. En vacances, le berbère, ou tu codes encore? T'avais pas mal de vacances à un moment. C'est où les... Elles sont là. Et moi, ma ping. Un cerebou sauvage apparaît. Ces fleurs. Oh là là. Ah bah les voilà.
Comment les avoir? Là, j'ai pas de à côté. Ne fais m'aidera pas cette fois. Il y a un charognard ici. Avec la chasse, ça demande pas mal de concentration là. Là, qui m'a vu? Jaune. Je peux pirater des cornes filantes grâce aux données des creusets. Spacecraft. Au début j'aimais bien pirater, puis maintenant je veux prendre juste les pièces. Alors les cornes, c'est ce qui rapporte le plus. Enfin, c'est ce qui est plus rare. Il nous en faut pour les améliorations d'équipement. Ok, elle s'attaque pas, mais elle s'enfuit donc. Pour récupérer les choses. Après, elles vont revenir, mais. Alors, des fois, elles peuvent attaquer, je crois, quand même, mais c'est assez rare. Chabreur, comment ça va? Bah moi tranquillou. Tranquille, tranquillou. Ah. Ouais, ça c'est rare, mais des fois ça arrive. Et c'est que elle devait vraiment être collée à moi. Donne-moi tes cornes. Il y en a un autre. Ah, ça c'est pas le même. Tranquille. Mais je sais pas où il était le charognard. Ah, une corne, ouais. Les cornes c'est violet. Allez, c'est parti pour tout ramasser. Ah, j'adore les champs de fleurs. Franchement, je... ce jeu, mais... c'est rien que le DLC, mais franchement, ils ont géré. Hein. C'est vrai qu'il y a des DLC, on est souvent déçus, mais alors celui-là, mais... mais il est beau, c'est 20€. Le jeu n'est pas encore pris le DLC, alors... ouais. Il y a eu un peu, alors il y a les cartes PSN toujours sur l'instant, ils ont eu un peu de DLC tout court, vraiment le DLC. Mais j'ai le mail. Et alors le matin c'était déjà peur. C'est bien de recevoir un mail quand il y en aura. C'est parti comme des petits pains.
C'est vraiment de toute beauté, ce petit champ de fleurs. Regardez un peu sur moi. Je crois que j'ai tout récupéré là, j'ai rien oublié. Je crois. Là-haut, il y a un chemin qui finit sur rien. Alors ça... Premier opus et jeu de base, en général, il y a quelque chose, mais après ça peut être une quête que je n'ai pas encore, bien évidemment. Mais en général, c'est pas... Pointé cette fois-ci, mais... Checker du coup. On va aller voir ça. Alors c'est quoi, journal de qui? C'est pas. Lorsque la commande ATK a ordonné à mon escouade de partir en mission de reconnaissance sur la côte embrasée, j'avais quelques réserves. S'agissait-il là d'une peine de mort déguisée et d'un exil dissimulé? Pacha m'a senti que je n'étais pas convaincu. Il m'a prise à part et il m'a révélé la vérité. L'ordre venait du chef Ekaro en personne. Le chef attend un compte-rendu détaillé sur la région et veut savoir si nous pouvons y étendre les terres des clans. Que nous ne sommes que deux dans la tribu à pouvoir rédiger de tels rapports, je suis particulièrement bien placé pour prendre la tête de cette mission. Nous avons atteint la côte après un long et périlleux périple vers le sud. Dès que nous l'avons aperçu, l'archipel m'a rappelé l'île aux aiguilles. Des ruines dévastées qui s'étirent vers le ciel et des structures délabrées surplombant la région. Mais la ressemblance s'arrête là. De nombreuses machines arpentent le paysage escarpé, l'air est alourdi par la fumée et mes éclaireurs m'ont parlé de rivières de feu, au-delà de notre campement. Étrangement, il n'y a aucun signe de la présence d'autres tribus. Nous sommes vraisemblablement les premiers à avoir mis les pieds dans cette terre sauvage. Ou bien ceux qui sont venus avant nous n'ont pas fait long feu. D'une certaine façon, il s'agit d'un bel endroit, mais les ruines seront impossibles à fortifier contre les machines, à moins d'y poster une quantité considérable de troupes. Or, je ne pense pas que le chef soit disposé à se séparer d'autant de soldats, à en croire les rumeurs selon lesquelles la maréchale rebelle recrute une armée dans le désert. Il semble évident qu'il n'y a rien pour nous ici. Dès demain matin, j'annoncerai notre retour dans la plaine. Les machines peuvent garder cet endroit. Ah. On a une capture aérienne nord, là. Vous voulez faire la ouest, qui est niveau 32. Celle-là, elle est 34. Alors, les niveaux, ça veut rien dire, parce qu'on se prend quand même cher. Nous, on est 56 et on prend cher. Je sais pas qui a fait les niveaux par contre du DLC, mais ça correspond pas. Hein. Soyez au moins 50. Hein. Coucou Dragonette, ça va et toi? Bien dormi? On doit faire quoi? Trouver la source du signal. À examiner. Un autre enregistrement corrompu sur ce transmetteur. Si je suis sa trajectoire de vol, ça devrait le restaurer. Alors, on passe en volant là-dessus. Petit oiseau, petit oiseau, petit oiseau.
T'avais dit qu'il y avait un truc là-haut. Hein? Qu'est-ce que j'avais dit? Ça pue qu'il y a un truc en haut. Bah, il y a une quête. Cachée, une quête cachée. Des fois, faut juste analyser la carte. Hein. Il y a des chemins qui mènent à rien, c'est qu'il n'y a pas forcément rien. Après, ouais, faut pas se repérer. Liliane Barnett, équipe de reconnaissance 21 Ouest. On vient de passer l'ancien camp de réfugiés de Capitol Records. Bon, pour ceux qui étaient aptes au combat, c'était plus un site de conscription, de destruction de famille. Ça n'a plus d'importance. Le bâtiment est en ruine, dévoré par la colonie. Mais c'est pas comme si le CCR allait en informer le public. Alors là, on sera attaqué, ouais. Le signal s'affaiblit. Je dois retourner sur la trajectoire. Eh bien, j'essaie, mais comment dire, on est attaqué. Pacha disait qu'il enregistrerait un hit dans ce studio un jour. Il disait que son job d'opérateur de l'OCAM chez LAHV2 était une étape temporaire sur le chemin de la gloire musicale. Il aurait dû passer ses derniers jours sur cette foutue guitare. Pas dans l'opération de victoire de mon cul. Ah, le voilà. Ce sera partout comme ça. C'est inévitable. Combien seraient prêts à se battre volontairement pour une cause perdue, s'ils connaissaient la vérité? Ces derniers mois ont dû être horribles. Et ouais. Et du coup, on est arrivé où? Ah ouais, on est arrivé tout là. On est allé tout le... Attendez, t'es où? On était là. Ok. Ah oui. Effectivement, on a... on a fait un petit détour. Du coup, on n'a pas fait toute la zone qu'on voulait faire. Enfin, c'est pas grave, on le fera par la suite. On va retourner là, du coup. Je pense que ça sera pas mal. On est dessus. Tant qu'on est dessus. Un vert pomme sauvage apparaît, Chocobo. Ça va être tellement, tellement triste. Pas ce bruit. Je sais pas ce que c'était ce bruit, mais ça a foutu la trouille. C'était quoi ce truc? J'ai flippé là. Liliane Barnett, équipe de reconnaissance 21 Ouest. Aujourd'hui, notre unité a été envoyée prendre des nouvelles d'un bataillon qui défend le port. J'ai vu les numéros de la garde civile et j'en ai eu le souffle coupé. L'unité de Pacha était là-bas. Même de là où j'étais, on voyait bien que les robots avaient envahi la zone. On devait rester en hauteur avec la dame, mais c'était clair qu'il restait personne. On se fait attaquer, je répète, on se fait attaquer. On l'a signalé dès notre arrivée. Mais ce soir-là, en sortant du bureau du commandant, j'ai aperçu la vidéo qu'ils allaient diffuser suite à notre rapport. Ça n'avait rien à voir. Victoire pérenne triomphe à Santa Monica. Ils auraient dû aller cacher la vérité. Mon
mon meilleur ami s'est jeté dans la gueule du loup, personne ne le saura jamais. Horrible. Absolument horrible. Je refuse de les laisser faire. Les gens doivent connaître la vérité. C'est pas le cas. Je me demande ce qui s'est passé. Ah, du coup, elle a voulu peut-être donner la vérité, mais elle a... À mon avis, elle a été interceptée. Bon, bah, on en a fait deux pour le prix d'une. Donc ça, c'est un ancien... ouais, l'ancien... parc d'attractions, voilà. Du coup, on a fait le ouest. Le nord, le est, il manque le sud, c'est ça? Pas fait. Quelque part par là, je pense. Donc ces deux-là, ils sont quand même très rapprochés. Hein. La quête principale est ici. Normalement. Ici, toute cette zone, on a fait. Donc je serais bien tenté, ouais, d'aller là. J'aurais bien voulu faire un peu de fabrication, un peu de d'amélioration. On n'a pas trop trouvé de bestioles, hein, mais ouais, quand même. Quand même. Est-ce que je peux avant? Faudrait voir si on peut pas améliorer nos équipements. Vendre des trucs comme ça. Mais des sous quand même. Et en fait, c'est surtout des sous qui me manquent. Oh, je reprends mes potions aussi. Allez, monte par là. Voilà, chemin par Shaki. Comme d'habitude. Vendre. Pas tout ça. Pas grand chose. Ça on vend. On a foi beaucoup. Acheter arme, est-ce que je peux acheter Je l'avais acheté. Le reste, ça m'intéressait pas. Il n'y avait pas de truc qui m'intéressait. Il faudrait que je les achète pour la collection, mais bon, déjà, on va améliorer ce qu'on a. Hein. Vous en pensez, ça me paraît déjà pas mal. Hein. Alors, on peut améliorer celle-là qui est équipée. Donc un cœur de batracide suprême. Oh non, c'est des grenouilles là. Ça. Jusque là, rien ne m'étonne.
Ça, c'est même pas comment, c'est génial. Ah, je peux finir celle-là. Aïe, 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 aïe. Pint, comment vous arrivez, allez-vous? Ouais, faudrait finir les bleus. Une fois pour toutes, mais. C'est la fin. C'est la fin. Bon, on a quand même amélioré tout ça. Alors, c'était quoi la quête principale? Les étoiles dans leurs yeux. Découvre le goût du Grand Delta. C'est beau. Beau dit comme ça. Ils ont peut-être réalisé qu'ils les attendaient et qu'il a fait. J'aurais voulu. Regardez. Ça marche pas! J'y arrive. Continue de t'énerver, j'arrive. Avant une sauvegarde manuelle quand même. T'as combien d'heures de jeu maintenant? Ça va, pour le moment on a fait 13 heures sur le DLC, faut faire 20 heures pour le comptabiliser. Je pense que c'est largement faisable. Ah, 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 super. Est-ce que tout va bien? J'ai fait mon rapport à l'amiral. Et une partie de l'équipage a demandé à ce que je sois rétrogradée et expulsée. Je suis désolée, Seika, ça doit être très dur à encaisser. C'est pas important. Où est-ce qu'on va maintenant? Eh bien, on sait que Landra a envoyé ses données vers le continent. Au nord de là où on s'est rencontrés, en gros. Ça se fait par les airs. Alors, à ce propos, on pourrait peut-être utiliser mon canot, plutôt. T'aimes pas trop voler, hein? Je suis une marine. La navigation, ça surpasse tout le reste. D'accord. On prend ton canot. Prête à y aller? Pour le coup, je préfère aussi prendre son canot. J'aime pas du tout l'oiseau. Ouais, en route. Je suis d'accord, ça me va. Pour le coup, ça me va. Tout en douceur. Et contrairement au vol, si on tombe, on ne meurt pas. Allez, bon, je vais te noyer. Il n'y a que l'océan de vie. Et la fin de la c'est un univers. Avec tous ceux qui s'y trouvent. Pourquoi tu restes auprès d'eux? Je veux dire, je sais ce que ça fait quand. Quand ta tribu est contre toi. À ta place, je serais partie il y a bien longtemps. Ça n'a pas toujours été comme ça. J'étais une bonne marine. Une sœur aimante. Non, j'ai bougé. C'est ce sentiment d'appartenance qui fait ma force, qui me permet de traverser les épreuves. C'est aussi pour ça que je peux pas tout abandonner. Tu vois, ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont de t'avoir. Ça, je sais pas. Moi, oui. On a le petit chat qui vient se couater. Hein, Luna? Se lève tôt aujourd'hui. On dirait que les coordonnées nous mènent droit vers cette ruche. Ce truc me terrifie. Quand le ciel est clair, la nuit, on le voit qui nous domine depuis le campement. Là, sur la rive, ce sont nos bateaux. Ah. Alors on est sur la bonne voie. Nous y amène. On les a peut-être trouvés du coup. On est juste à côté de la lave. Oh Lulu, on ouvre que ça, que les arrivants. Bon, vous levez pas. Moi, Shawa. Ton week-end.
là, on est où? Ah, on est revenu là à l'œil. C'est que du coup j'ai déjà un peu la zone, ça c'est cool. Et comme quoi ça sert de fouiller un peu avant. Parce que fouiller avec un perso qui vous suit, c'est pas facile, surtout que pour les pièces. On dirait qu'on se dirige droit vers le démon de métal. Oh oh. Pourquoi Landra y a envoyé ses données? Je sais pas. C'est aussi un endroit étrange pour y amener des Quen. J'espère qu'on va les trouver. J'ai le burbure et chabreur un niveau de plus. Ça grimpe, ça grimpe. Les miens étaient aussi ici. On dirait qu'ils se dirigeaient vers le sommet de la colline. Les coordonnées mènent aussi ici. Alors c'est bientôt, c'est la fin du mois bientôt, enfin on va changer ça donc. Et puis ils vont être remis à jour bientôt. C'est un niveau. Oh, il y a du légende. Ah, c'est de la pierre. Oh oui. J'avais loupé. Il a repoussé, je sais pas si ça repousse. Et oui, on était venu ici, je me souviens. Ah bah oui, on avait essayé de passer cette bulle et ça nous avait éjecté en arrière. On dirait qu'on peut pas passer ici. Ouais. J'ai déjà essayé. Pareil de l'autre côté. Ah bah, je crois que je peux le scanner. Ça m'a fait mal. Et je m'étais dit bon, ça pue la quête. Bah, j'avais raison, c'est pue la quête. J'avais déjà scanné à ce moment-là. Allez, voyons ce qu'il y a là-dessus. On dirait qu'il y a quelque chose plus loin. Une sorte de complexe. Landra y est peut-être. Lui était disparu. Je ne vois aucun moyen de traverser cette barrière. Là. C'est un genre de générateur connecté au bras de Lorus. Landra a trouvé un moyen d'en faire fonctionner une partie. Un démon de métal ne peut pas se réveiller, hein? Je sais pas. Mais pour l'instant, c'est sûrement comme ça que Landra alimente la barrière. Génial. Alors si on trouve un moyen d'éteindre ces générateurs, elle devrait se désactiver. Au moins, ça vaut le coup d'essayer. On dirait qu'il y en a deux pas très loin d'ici. Allez, faut s'y mettre. Il faut qu'on récupère la technologie des zéniths qu'on a vue en bas. Maintenant, on sait à quoi ça sert. T'avais pris ça? Là, pour la cinématique. Ah, on l'avait déjà. Alors, on en a deux là. Et le troisième est où? Y'a que deux? Ah ouais. Elle marche pour toi les Dive Ball Fighters? Moi elle marche pas. Ça te la compte bien? L'autre jour j'ai essayé et ça me comptait pas en enlever. J'ai essayé les deux avec espace et sans espace entre Dive et Ball. C'est nouveau. Il y a 9 partout, faut faire gaffe de pas les activer. Et pour désactiver. C'est ça qu'il faut. Le problème c'est qu'on a une grenouille, deux grenouilles. Il nous faut des trucs de grenouilles en plus. Après qu'on les combatte.
Mais elle picote un peu les grenouilles, j'ai envie de dire, donc. Le serpent de tout à l'heure, hein. Bien pire. Coucou Vikento, coucou Nico, coucou Pira, coucou Turtle. Installez-vous les arrivants. Installez-vous. On va y aller doucement, hein, mais sûrement. Hein. Parce que... Par contre, je sais pas où avoir le truc. Ouais, j'ai enlevé le plus gros. Quand elle est détachable, on verra, on fera peut-être exploser la grenouille. Il faudrait la même chose sur l'autre. Par contre, l'autre elle est loin, alors j'ai utilisé mes. Un arc sniper. Pas toucher la bonne. Avec l'avancée du truc. Pas toujours évident. Ça a marché? Ah ok, bah j'ai peut-être eu un bug l'autre jour. Mais je sais pas si ça marche vraiment bien alors du coup. T'as vu, t'en as même pas attrapé. C'est bizarre, des fois j'ai l'impression que les Pokéballs classiques marchent mieux que tout le reste. J'ai l'impression que ça me donne... qu'on réussit à faire quelque chose avec la dive ball. Oh putain. C'est pas prévu ça. On est dans la merde. Compliqué. Déjà, un, c'est super chaud. J'ai tous les bébés là. Je peux pas la tirer dessus. Mais alors, les deux. Oh là 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 là. Je donne aussi l'autre. Parce que l'autre elle l'a embêté, c'est ça. Ça s'est enlevé. Hop. C'est du bleu, j'ai l'impression. Gêné là, j'ai cogné dans, dans ma coéquipière. Ça m'a poussé. Oh. Oh. Les petits bébés, faut faire gaffe. C'est du gros là. Donc, en plus, il y en a deux. Il y en a qu'un encore. On pourrait un peu se la jouer Rambo. Mais...
Et là ils ont échangé, il y en a un qui est parti là-bas du coup. Ils ont échangé parce qu'à la base c'était lui qui était loin et... Ils ont échangé leur place. Mais je voudrais au moins finir le tout le rose avant d'attaquer comme... Orsonné. J'aimerais bien. Ah, c'est du violet là! Et tout à l'heure, j'ai eu du bleu sur la même pièce. Ces trucs là. Ils sont même pas cassables en plus. Enfin, peut-être, mais je suis pas sûre. En tout cas, ils sont pas dans les signalés comme cassables. Gelée. Ah ouais, elle est gelée. Ah, c'est fragile. Ah non, c'est pas gelé, c'est fragilisé. Ah. Elle est pas mal ce truc. Fragilisé. Bon, là on attaque pas. C'est bon. Ça c'est bon aussi. Bon là c'est les parties les plus chiantes. On a eu les plus faciles. J'ai envie de dire même. On va se la faire en mode rando maintenant. C'est parti. Ça pique. Fini ton pain. Encore quelques coups et elle sera fragilisée. C'est l'autre qui fait ça. Hop. Là, les blocs. Ah, je suis coincée.
plus, mais là, elle va mourir. Voilà. On va pouvoir se concentrer sur les généraux. Quoi ça? 5 batracides et 50 panthéines. Eh ben... Il y a des nouveaux succès qui ont été ajoutés du coup. Ah bah oui, je crois qu'on en avait déjà eu. Avec l'histoire. On a réussi! On a eu du violet quand même dans cette histoire, donc ça c'est pas mal. On a réussi. Ouf! Et l'autre, je sais pas, elle l'a tué, ma équipière. Bon, une fois, elle a été utile, j'ai pas trop compris. Ah merci. J'en ai chié quand même. Et l'autre elle est venue, je m'attendais pas à ce qu'elle vienne aussi. Et je sais pas si j'ai eu les choses qu'il me fallait en fait. Il me faut une partie de leur corps, mais alors je sais pas si j'ai eu la bonne. On prend tout hein, quand c'est comme ça. Platine sur celui-là je fais pas parce que j'arrive pas à faire les zones de chasse. C'est vraiment trop dur pour moi. Oh oh. J'avais pas vu, il y a des œufs là. C'est si vous approchez en fait, vous voyez ces trucs là et vous approchez, ils s'activent. Alors il y en a un qui est là-haut. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pirater. Seika, il faut que tu tires sur le noyau. Un de moins. On passe à l'autre générateur. L'autre est là-bas. Au moins on est tranquille. Hein. En plus j'ai fait un succès en même temps. J'ai farmé et puis on est tranquille pour faire ça parce que... Non, alors il fallait passer tout en mode discrétion. Ça aurait été cool. Ça aurait été compliqué. Deux âmes, mais très cool. Non, mais par contre, ouais, c'est vrai qu'on avait commencé à l'attaquer ici. Il y a quand même des choses ici. Bon. C'est parti, mon kiki. Tourner là-bas, bon, on va se TP. Hop, ça c'est bon, c'est fait, oui! Ah, ça. Alors, pu récupérer des petites choses sur la dernière fois que j'ai vu ma sœur.
J'étais soulagée qu'elle parte en mission d'exploration. J'avais besoin de m'éloigner un peu d'elle. Je comprends. C'est pas toujours simple avec ma sœur non plus. Je croyais que t'étais une paria. Je la connais depuis peu, c'est... C'est compliqué. Ah oui, c'est vrai, son double. Hein. Ta jumelle. Je sais. Je suis sûre que ta sœur sera contente de te revoir. T'avais oublié, elle. Je sais pas. Mais c'est gentil de ta part. J'avais complètement oublié ça. Cet endroit est encore alimenté. Il ne devait alimenter que le bouclier. Alors, globalement, je trouve les machines de Sobek plutôt ennuyeuses. Pourquoi des robots de terraformation doivent-ils ressembler à des lézards géants? La métaphore de la mégaphone est vraiment banale, voire ridicule. Ça me rappelle les hologrammes d'Evelyn qui, au final, n'étaient que de stupides petits programmes conçus pour prendre aux parents fatigués leur argent durement gagné. Ceci étant dit, les grosses grenouilles ont adopté un comportement plutôt utile. Les robots recyclent, entre autres, des composantes technologiques. Ils sont donc attirés par certaines de mes dispositifs les plus récents. Mais ils ne semblent pas savoir comment les transformer, alors ils traînent aux alentours à la recherche de pièces. L'avantage, c'est qu'ils découragent les locaux de toucher à mes jouets. Qui sait, avec un peu de chance, ils décourageront peut-être aussi la rouquine. Eh ben non, vu qu'on vient de le faire. Moi, je les tue, tes batracides. Il y a du monde ici. Ton peuple. Et une autre fresque. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous là à attendre? On va le savoir. Il y a tout ça. Que se passe-t-il ici? Seika, est-ce que tu es venue nous rejoindre? Vous rejoindre? Oui. C'est ça. Ça nous a pris du temps, mais on y est arrivé. Une barbare, l'une des élus. Impossible. Zed ne l'accepterait jamais. Mais comment êtes-vous entré sans lui? C'est Zed, en fait, qui nous envoie. On l'a aidé quand il a été pris dans une embuscade, pas loin d'ici. Oui, en fait, je me dirigeais ici avec lui quand des machines nous ont attaqués. On a voulu se défendre, mais elles étaient trop nombreuses. Et c'est à ce moment-là qu'Aloy est venu nous aider. J'explorais la région quand je suis tombée sur eux. Je me suis précipitée. Vous auriez dû la voir. L'une des meilleures chasseuses de machines qui soit. Elle a même sauvé la vie de Zed. Oh, j'ai fait ce que j'ai pu. Zed avait quelque chose d'important dont il devait s'occuper, alors... Il nous a dit de continuer sans lui. Il nous a expliqué comment baisser la barrière et il nous a dit... d'entrer directement. Zed a eu besoin d'une barbare pour se tirer d'affaire. On a tous besoin d'un petit coup de main de temps à autre. Bon, Zed les a laissés entrer. Et je ne voudrais surtout pas risquer de le mettre en colère. Va informer les autres de l'arrivée des nouvelles recrues, d'accord? Bien. Une secte. Mais qu'elles n'entrent pas dans la salle de l'ascension tant qu'elles n'auront pas prouvé leur dévotion, comme toutes les autres. Et je serais curieux d'entendre la version de Zed à son retour. Oh, évidemment. Évidemment. On est dans la merde. Attention à lui. Bonne chance, Seika. Que sa lumière vous illumine. Et ouais. C'est parti pour rejoindre la secte. Et c'est pas celle des chocobos, là. C'était moins une. Celle de Zed. Je bon. Peux pas croire qu'ils soient ici de leur plein gré. Qu'ils obéissent à Zed. Ça a l'air d'être un type en or. Allons voir cette salle de l'ascension avant de devoir le rencontrer. Ah, merci beaucoup pour la lurk, Wolvie Boy, et bah bon, rasage de tête. Courage hein. Pour le boulot, pardon. Parce que tu fais la fermeture. Bienvenue, mes élus. Vous avez erré, souffert, mais vous n'êtes plus égarés.
Je vous ai trouvé et je vous offre ce qui vous revient. L'ascension. Installez-vous. Oubliez ce que vous pensez savoir et profitez de cet instant. Un nouveau monde vous attend. Ah. D'accord. Ça fait beaucoup de Landra. Alors, il veut qu'on baigne dans sa lumière ? Littéralement. Il sait rien. Il y a sa tête partout. Je vais essayer. J'aimerais vous présenter de vieux amis à moi. Nous étions à la plus belle fête de la ville pour célébrer notre victoire. Pendant que toute l'attention était sur moi, mon ancien associé en affaires est entré en trombe, débordant de jalousie. Et il m'a jeté un verre au visage. Mais je n'ai pas reçu une goutte. Mon garde du corps, Jack, l'a plaqué au sol pendant que les autres, Riley, Nolan, Parker, s'assuraient de son expulsion. Mais c'est mon Evelyne qui a encouragé tout le monde à en rire. Ah, oh, je les adorais. Leur dévouement envers moi comptait tellement, bien plus qu'une récompense. Ce fut pour moi la plus belle soirée de ma vie. Ouais, Evelyne, il l'a laissé crever, je crois. Landra avait l'habitude d'être adulé. Je vais devoir faire semblant d'admirer Landra. Oh. Ah, il me tue. Écoute, Aloy. Celui-ci est... Je ne trouve pas les mots. Visiblement, Landra fait forte impression. Je trouve pas les mots. Ah, c'est vous dont Brennick nous a parlé. Deux nouvelles âmes choisies pour abandonner notre vie ingrate. Oui, c'est bien nous. Tu es Kiral, c'est ça? Tu servais sur l'étincelle? Dans mon ancienne vie, oui. Une marine parmi tant d'autres liée à une expédition sans espoir. Ah, peu importe. Comme le dit Walter, il faut oublier le passé. C'est nos souffrances qui nous ont menés ici. Et maintenant, l'ascension n'a jamais été aussi proche. Cet endroit est une pure merveille, n'est-ce pas ? J'ai jamais rien vu de pareil. Oh, mais ce n'est rien comparé à ce qu'il y a dans la salle de l'ascension. Tu y es entré, toi ? Oui. J'ai prouvé ma dévotion peu avant votre arrivée. Et j'attends d'être emmené pour la suite des événements. Encore un peu plus près de l'ascension. T'as dit que t'attendais la suite des événements. On n'a pas encore tout saisi, mais je croyais que la salle de l'ascension était notre objectif. Tu n'es pas la seule à peiner à saisir les ambitions de Walter. Comme j'ai vu ce qu'il y a dans la salle, ma place est assurée. Mais il nous offre forcément quelque chose de plus, j'en suis persuadée. C'est sûrement pour cette raison que les dévoués sont emmenés ailleurs. Et dès le retour de Zet, il m'y emmènera. Je suis prête. Ah, ça va. T'as une idée d'où se trouve cet endroit exactement ? Dans un lieu qui nous rapprochera de Walter. De son étreinte. T'es entré dans la salle de l'ascension. C'est aussi particulier qu'on le pense, alors ? Je ne dois rien dire. Je ne voudrais surtout pas gâcher l'expérience qui vous attend. Allez, Kiral, un indice. On rêve de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Juste une chose. C'est stupéfiant. Un peu comme le jour où Walter est apparu devant notre navire. Mais en mieux.
Prouvez votre dévotion. Et vous verrez. Bon, merci de nous avoir parlé, Kiral. On devrait retourner s'informer sur Walter. Oui, bien sûr. Bonne chance pour vos études. J'espère vous retrouver à l'ascension. Ah, et un... Ah. Un fragment de parchemin déchiré. Je note tout ça pour essayer de tout comprendre. Nolan gérait l'agent de Walter. Jack était son garde du corps. Riley était sa conseillère en esthétique. Non, c'est pas ça. Riley s'occupait d'un truc qui s'appelait les RP. C'est qui l'autre? Oh non, j'ai oublié. Pauvre. Panique à bord. Oh, il va le cacher là? Un trait. C'est un immense honneur d'être ici. Manifeste-toi comme la famille impériale. La bienveillance. Chez table. Je suppose. Chic, tu m'étonnes qu'il soit bien ici. Viens, assieds-toi. J'aimerais te raconter une histoire. Jadis, j'avais un foyer dans ce monde avec la plus belle vue de la ville. Ma femme et moi, on adorait s'asseoir et regarder les lumières scintiller dans la brume du soir. C'était notre instant de sérénité. Et puis, le temps des cendres est arrivé. Les cieux nous ont offert une issue, mais au final, moi seul ai survécu et ai trouvé le secret de l'immortalité. Evelyn et tous ceux que j'aimais sont morts. J'étais seul. C'est pour ça que je suis tellement heureux de vous avoir trouvé. Bientôt, nous passerons l'éternité dans un nouveau monde. Nous serons ensemble. Pas qui, lui ? Faire encore traverser un autre typhon plutôt que de passer l'éternité avec lui. Je m'adore. Encore ce type. Ah merde, il va pas nous laisser passer lui. Il nous aime pas. On est foutus. On est foutus les chocobos. Tiens, voilà notre bonne âme. Avec la barbare. Tout s'explique maintenant. Le temps des cendres. Les inondations du Grand Delta. On est pris au piège dans un cycle de destruction, mais bientôt, on aura un nouveau monde. Eh bien, quelle promesse ? Votre dévotion ne fait plus de doute. Vous êtes donc prêt pour la suite. Zeth vous y amènera dès qu'il sera revenu. Pas si vite. Peut-être que votre bonne action vous a mené jusqu'ici. Mais vous n'aurez aucun traitement de faveur. Walter lui-même m'a accordé le privilège de garder la salle de l'ascension. Tant que vous n'aurez pas fait votre examen et appris les mots de l'ancien, cette porte restera fermée. Aucune exception. D'accord, d'accord. Dans ce cas, on reviendra. Je crois qu'on doit passer un genre de test de dévotion envers Londra. Mais qui sait combien de temps on a avant que ce Zeth revienne. Il doit y avoir un moyen plus rapide d'apprendre ces fameux mots de l'Escien. Faisons un peu le tour.
crois pas que les mots soient dans les hologrammes de Londra qu'on a vus. Mais ils pourraient aider à communiquer avec les autres. On pourra peut-être les convaincre de nous aider. Ah, il faut parler avec les gens. Je vais nous chercher un verre. En attendant, souviens-toi de ce qu'a dit Walter au sujet d'accueillir l'avenir. On dirait que tu ne partages pas vraiment l'enthousiasme de ton ami. Je devrais être plus joyeux, c'est ça? C'est sain de se poser des questions. Lan était ravi qu'on entre dans la salle de l'ascension. Il est impatient de voir où on va nous emmener. Mais j'ai peur que tout ça soit trop beau pour être vrai. Alors pourquoi tu ne pars pas? Je peux pas l'abandonner. On a traversé tellement ensemble. Nos missions, le typhon, le naufrage. Et bientôt, l'ascension, je suppose. On dirait que la plupart des Kuen sont ravis de suivre Londra. Pourquoi pas toi? Au début, je voulais le croire. Tout ce qu'il nous a dit semblait combler un vide, comme si j'avais enfin trouvé ma place dans le monde. Mais je me suis souvenu que chez nous, avant, les comités disaient de suivre les vertus de l'héritage, d'être bon et honnête. Et puis ils ont expulsé mon père quand il a critiqué un décret impérial. Je crois pas que ce soit si différent. Walter est peut-être un ancêtre vivant, mais avec une brute comme Zed à son service, sa bonté est aussi inconstante que celle de l'Empire. Pas le truc. Peut-être qu'il va faire mal, à mon avis. Ce que les gens savent, c'est que vous avez disparu dans la nature. Comment vous êtes arrivé là? Lan et moi, on était en mission d'exploration de la région. Mais ça a mal tourné. On était perdus et affamés. Le navire échoué, et Walter a trouvé notre campement. Un ancêtre vivant, qui sortait de nulle part pour nous dire qu'on avait été choisi, qu'on était sauvés. C'était facile à accepter. Tout le monde a la même histoire ici. Pourquoi personne n'a pris la peine de nous prévenir? Tout le monde n'est pas choisi. Walter dit qu'on doit abandonner notre ancienne vie pour pouvoir ascendre. Personne n'a rien dit. J'aurais dû parler. Intéressant. Tu as dit que Lan avait hâte de voir où vous iriez ensuite. Vous savez ce qui vous attend? J'imagine qu'il y aura un autre test, comme ici. Une fois dans la salle de l'ascension, Zed vous y emmène. Lui et ses troupes reviennent seuls systématiquement. Ouais, c'est bizarre. Tout le monde parle de lui. J'ai l'impression que c'est pas un type très sympa. Aussi sympa qu'une griffe de feu. Mais y a pas que lui. Les soldats qui l'accompagnent sont pareils. Je crois qu'ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, maintenant qu'ils n'obéissent plus aux ordres de l'amiral ou de conformité. Ah, c'est chaud, patate. Ça sent pas bon, à mon avis, il y a un truc encore après, hein. Je sais pas ce qu'ils deviennent, mais c'est bizarre. Coucou Redaro. Ça va bien et toi? Merci beaucoup pour l'alerte. Bien. Tu as raison de te méfier de toute cette histoire. Londra cache quelque chose. Il faut qu'on entre dans la salle de l'ascension pour comprendre quoi. Et pour faire ça, on doit connaître les mots de l'Escient. Je ne veux pas avoir de problème. Quand Zed reviendra, il saura que je vous les ai dit. Est-ce que c'est en lien avec une des animations de Londra? C'est très important, Otosu. Beaucoup de vies sont en jeu. C'est lié à ce qu'a dit Walter au sujet de ce qui comptait chez ses amis. C'est à propos de leur dévouement envers lui. Oui, c'est ça. Tu vois, tout ira bien. Je sais pas, c'est peut-être une mauvaise idée. Écoute, quoi qu'ait prévu Londra pour ton peuple, ça sent mauvais. Tout le monde ici, y compris ton ami, est en danger. Mais tu peux nous aider à l'arrêter. D'accord. Répétez ça à Brennick. Grâce à la dévotion, sa lumière m'illuminera. Grâce à lui, j'ascendrai vers un nouveau monde. Merci, Otosu. Tu nous as bien aidés. J'espère que vous êtes sûr de vous. Sûr de chez sûr.
On a les mots de Lessian. Brennick devrait nous laisser accéder à la salle de l'ascension, maintenant. Alors, est-ce qu'on va pouvoir y aller? Je connais les mots, je connais les mots. Je vous l'ai déjà dit, personne n'aura le droit de passer sans les mots de Lessian. Oh, on connaît les mots. Seika? Oh non, je te laisse cet honneur, Aloy. Grâce à la dévotion, sa lumière m'illuminera, grâce à lui... J'ascendrai vers un nouveau monde. Personne n'a jamais réussi le test de dévotion si vite. Eh ben, on l'a fait, alors tu veux bien te pousser. Itachi, comment tu vas? Bien dormi? Je ne sais pas combien de temps je vais supporter Londra. Bon, voyons ce qu'il prépare vraiment. Je voulais pas qu'on les trouve. C'est peut-être pas le cas de tous. Ouais, on va dire ça. À quoi tu penses? Rien. Seulement, j'espère trouver des réponses dans la salle de l'ascension. Ah. Ah, ça a un truc à lire. Il y avait quelque chose de différent dans le temps de Nova aujourd'hui. Une pointe de réticence. En modifiant ses paramètres, j'ai pu la réactiver. Mais je vais lancer un diagnostic complet par sécurité. Ah, je crois que c'était la boule IA qui le soutenait. Un ascenseur. Voyons où il mène. C'est joli, hein. Les paillettes. Faire grimper l'anticipation. Ça doit être impressionnant. Ah ouais. Par les ancêtres. C'est comme ça qu'ils ascendront. Londra construit un vaisseau spatial. Allons voir ça de plus près. Les nuages? Ils sont pas réels. Ce n'est qu'une illusion. Et en même temps, on récupère tout. Là, il y a une porte fermée. Ah, là, il y a encore. C'est fermé, il n'y a pas d'autre. Ah, si, il y en a un là. Ils sont bien cachés quand même, des fois, derrière les autres. Waouh. J'avoue qu'ils sont pas réels, les nuages, mais ça rend classe. Ah là, surtout pour améliorer après l'équipement, elle vaut mieux tout ramasser. Pouvoir vendre certains trucs. Améliorer après l'équipement. Oh, il y a du... violet et bleu. Voilà. Ouh, du légendaire. Eh ben, on se gave là. Vol aux riches. Pour distancer son ombre.
tout ramasser avant parce que... Normalement je pourrais y revenir, mais bon, si on a une cinématique et tout après... Il y a du bleu. Mon focus. C'est quoi ce bruit? C'est la même question. C'est un avertissement, je crois. Pour des radiations, un truc toxique. Je pense qu'on ne craint rien pour l'instant, mais je devrais aller voir le vaisseau. Bon. Dis-moi ce que tu trouveras. Et là, il y a des radiations. On va tous mourir. Rien à oublier. Aïe. Ah là, il y a du bleu. Non. Oh, j'ai vu aller là. Là, j'ai pas l'impression. Il y a un génie. La source des radiations. Sur le vieux prototype. Ça lui fournira sûrement la poussée qu'il lui faut. Ah ah, il lui manque des choses. Londra a réussi à lancer l'imprimante de Lorus pour construire le vaisseau. 97%. Scanner le vaisseau, ok, mais j'ai tout ça. Ah, je l'avais déjà scanné, mais ça n'avait pas compté. Ah, y a pas assez pour tout le monde, voilà. Ce PEM, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je crois que j'en ai assez vu. Je n'aime pas cette tête. Qu'est-ce que t'as trouvé? Lorus. Il a un composant spécial qui peut créer presque tout ce que tu peux imaginer. Des pièces, des outils, et même des machines entières. Londra l'a modifié pour l'aider à réparer son vaisseau. Mais pour que le vaisseau décolle, il lui faut beaucoup d'énergie, bien plus que ce que Londra pourrait obtenir de base. Alors il est allé se fournir dans son ancienne entreprise. Exactement. Certaines données qu'il a retrouvées venaient du plan d'un genre de... batterie. Une batterie extrêmement toxique. Il va l'utiliser. Si jamais ce vaisseau décolle, il répandra un poison qui touchera toutes les tribus de la région. Tout le monde finira par mourir. Ah. Il y a encore une chose qui m'échappe. Pourquoi Londra fait tout ça uniquement pour quitter ce monde? Oh, tu recommences. C'est clair. Je sais que tu me caches encore quelque chose. C'est mon peuple qui est mêlé à toute cette histoire. Et ma sœur, j'ai le droit de savoir. D'accord. Je vais te le dire. Mais ce ne sera pas... Bon, il est temps d'y aller. Sale menteuse ! Oh, c'est sûrement notre amisette. Dispersez-vous ! Les renforts ne vont pas tarder. Il est temps de vous éliminer. Ça va, j'ai moins peur que je pensais. Tu n'as jamais vu un canon de ce genre? Londra a dû lui donner un nouveau jouet. Bon bah, c'est parti. Zed a activé le verrouillage de cet endroit, mais il y a peut-être un moyen de le désactiver. Alors,
un moyen de désactiver le verrouillage. Je crois qu'il n'écoute pas, Seika. Le verrouillage l'empêchera de s'ouvrir. Non. Malin pour la gloire de Walter. Ça fait longtemps que j'ai pas combattu contre des joueurs en fait, enfin des joueurs des PNJ. Je me souviens plus. J'ai peut-être les enflammer en mode comme ça. Ça fait longtemps. En fait, je voulais pas tomber, je voulais rester là pour voir ce qu'il y avait ici. Il y a un coffre. D'énergie. Ah bah ça voilà. Pourra enlever le verrouillage. Il faut continuer à chercher. Il reste 3. Deux nœuds. Ouais. Ah, alors, j'ai bien le bon truc, mais... Fini. Alors, on a quoi? En face, là-bas, je pense qu'il y en a aussi. Là, on a un cadavre. Ça fait tellement longtemps, ouais, j'ai pas combattu à... Les casques, en fait. Ça qui est chiant. Ah, mais sors d'où, lui? Tu vas. Merde, ça je voulais faire. Ça je voulais faire. J'ai monté d'un niveau. Et... C'est bon. Coucou Paula. Ok, attitude. C'est bon. Il est où le troisième? Bien battu. C'est terminé. Il y a quoi comme autre porte? C'est un endroit où il y avait des portes fermées, mais je vois pas où elles étaient. C'est bien. Pas moyen de monter. On doit annuler le verrouillage. Ah mais je sais pas où il est le troisième. Ah mais il y en a deux. Il y avait qu'un gars. Si je tombe en ligne de mire. Et putain, mais vise! Je te fais viser, elle lance rien. La douleur, c'est ça. Et je sais pas où est le troisième, vraiment, je vois vraiment pas.
Ethan. Il est mort. C'est qui l'autre qui fait mal? Je sais pas. Il y a un truc qui nous attaque là-bas. Mais je sais pas où est le troisième. Ah bah il est là. Je suis passé 4 fois devant. Faut pas ma gueule toi. Non mais oh, on n'arrête pas de passer devant depuis tout à l'heure. Le verrouillage est désactivé. Aucune rendez-vous. Occupez-nous, occupez-nous de Z. Bah, je voudrais bien, mais. Arrête de tirer. Oh. Il faut faire quelque chose. Ah, je fais pas quelque chose là. Personne. Allez, un coup de poing. Ah, arrête de bouger quand je te touche. Ah. Ah, bah merci. T'as l'air de piquer ces trucs là, violets là. T'as l'air de piquer. Alors. Balancer des boules, je pense. Non ? Il est pas là ? Ça ? C'est certain de ces marins. Ils n'ont pas hésité à attaquer. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour l'instant, on s'occupe de Z. D'accord. Ta peur est compréhensible. Ouais, j'ai pas peur, non, ça va. C'est un souci. Attends qu'on arrive avant de nous tirer dessus. Oh bordel. Attends même pas. Allez, c'est bon, tu peux venir maintenant, on peut se battre. Montre-toi, Z. Finis ton gant. Je vais adorer vous détruire toutes les deux. Le plaisir est partagé. Allez là. La mort approche, ce petit barbare. Il blesse. Ah. Bah ça alors du coup. Mais si elle enlève le truc que je suis en train de lui mettre, on va jamais s'en sortir hein. Elle met du feu alors qu'il craint pas de feu. Et voilà. Je lui mets le truc qu'il craint. Et l'autre connasse qui est avec moi, elle change son. J'y arriverai pas à cause d'elle. Ah c'est chiant hein, les alliés de merde. Ne mettez pas des alliés si s'ils font de la merde comme ça. Oh je te préviens pas hein. J'ai un truc comme ça là. Elle a dit ça aurait très bien de prévenir mais lui Elle est partie où ma lance? Quoi tu le démerdes hein. Et qu'à pas le mettre en feu tout à l'heure il serait déjà mort depuis longtemps. Pour le tuer.
Tes faiblesses, ça marche pas. T'as rien pris avec sa faiblesse. Faut le déshabiller en fait. C'est un peu ça là. C'est un peu, faut le déshabiller. T'arrives pas à lui enlever son casque. Tu veux bien m'aider? Non, tu te démerdes. La vache. Je sais pas, comme si j'avais un des derniers arcs légendaires là, c'est pas... Et qui était quand même s'il est pas à fond, il est bien amélioré. Fils. J'en avais besoin. Retourne au combat. Ouh. Vache, papy. Il s'en sort bien. Coucou Riviel, comment ça va? Coucou Azenan. Où est-ce que tu as emmené tous les autres? Réponds à sa question. Il mène les dévoués dans son parc de la péninsule sud. Vous n'y arriverez jamais. La tour là-bas est placée de façon à empêcher toute approche. Est-ce que ma sœur est là-bas? Elle était dans le dernier groupe. Je ne suis pas censé en emmener d'autres là-bas. Mais Walter a promis l'ascension à tous ceux qui feront leur preuve. Je ne comprends pas. Londra vous a utilisé pour obtenir ce qu'il voulait. Soyons francs, tu étais une cible facile. Trop aveuglé par ton ego pour voir la vérité. Ah oui, un certain nombre. Tu viens de ruiner toutes ses convictions. Donne-moi une réponse claire. Pourquoi Londra veut partir? Quelque chose va arriver sur Terre. Ça a détruit le monde que Londra a fui et ça veut faire la même chose ici. Détruire le monde? Mais qu'est-ce qui pourrait faire ça? Une sorte de machine. Une entité qu'on nomme Némésis. Et elle est bien plus puissante que tout ce que toi et moi avons affronté. C'est pour ça que Londra construit ce vaisseau. Il fait tout son possible pour partir avant que ça n'arrive. Et je suppose qu'il veut emporter certains Quen avec lui. Être tout seul. Je sais que ça fait beaucoup à encaisser, mais il y a encore de l'espoir. Si tu le dis. C'est courageux. Il y a une plage sur la côte sud-est de l'île où on a éliminé la première tour. On ne pourra sans doute pas s'approcher plus que ça du parc. Et je pense que je vais devoir aller informer l'amiral. Lui dire... Je sais pas. Mais le tenir au courant. D'accord. Je te retrouve sur la plage, alors. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. Seika avait l'air... si perdue. Bah, faut le temps qu'elle encaisse, hein. Si. Mais pourquoi? Et comment régler ça? Pour l'instant, je dois aller voir cette arme des Zéniths. Ah. Je
pouvoir en faire quelque chose d'utilisable. Ah, bah voilà, ça je veux entendre. Voilà. Je devrais la tester quand je ressortirai. Je devrais jeter un coup d'œil aux autres coins en passant. Vous avez une alarme dans votre inventaire, le gantelet de spectre. Il est impuissant et polyvalent. En mode barrage d'éclat, vous pouvez tirer des projectiles autoguidés sur les cibles que vous avez marquées. Vous pouvez tirer des marqueurs dessus, les carins. Je vais la mettre à la place de... Soit à la place de la fronde, soit à la place de... lance-pique. Ça serait bien pour les humains ou les boss, quoi. Ils auraient pas pour les machines, sauf en cas de coup dur. Elle est stylée par contre, l'arme. Sur le bras. Pas mal. Pas mal. C'est pas trop dégueu, ouais. Des flèches d'un peu tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai pas l'impression. Si là-bas il y a un truc. Ah non, c'est des gens morts. Aïe aïe aïe. Ouais, ça fait beaucoup d'infos là. Parfait, allons à la suite. Et comment ça va les arrivants? Vous avez passé une bonne matinée? Cendre en rade. Ah du coup... Landra est pire que les autres zéniths. Il est prêt à irradier tout le monde pour survivre. Seika et moi devons trouver un moyen de l'arrêter. Quand j'aurai... les choses. Walter nous a abandonnés. J'imagine que Brennick a informé tous ceux qui sont ici que Landra se moque bien d'eux. T'es mort. Être complètement perdu. Plus personne ne peut contacter Walter. Et eh ben, ça a changé l'ambiance. On a cassé l'ambiance littéralement. C'est pas grave, hein, ça arrive. On a cassé l'ambiance. À faire sur eux-mêmes. J'espère qu'ils comprendront et qu'ils retourneront à la fin de la flotte. Mais je dois retrouver Seika pour discuter de tout ça. M'assurer que tout va bien.
La musique bien triste. On a 4 points aussi. 4 points, c'est rien. Ce qui nous reste à mettre dans les points. Ah, par contre, ça nous donne un peu de points de combat. Ça, c'est cool. Parce que honnêtement, ouais, là, je fais rien avec tes trucs. On a même pas tout là-dedans, on a même pas tous les trucs. Ah, il nous manque un carré à prendre et après bah, c'est des bulles qui nous restent. Il y a que infiltré qu'on a fait à fond. Machine et guerrier, il manque pas grand chose, mais c'est des trucs qui coûtent beaucoup en fait. Et oui. Alors. Un tuto. Sur X en sautant à portée d'une machine. Ouais, mais je vais jamais m'en souvenir. Ce qu'on vient de débloquer. Du coup, la quête principale est retournée tout là-bas. Oh, la vache. Ça on fait des choses. On a beaucoup de trucs à découvrir. On va faire d'abord une petite pause café, hein, quand même. Bien sûr, bien évidemment. J'aimerais aussi retourner vite. Voir l'équipement parce qu'on a trouvé pas mal de choses là. On va pouvoir vendre aussi. Mais le DLC, ouais. Fou. Il chauffe le café. Bon, je dis café, mais je vais peut-être prendre une boisson fraîche. Grosse boisson, quoi. Pâté. Alors, déjà, on va vendre d'abord. On commence par vendre les bobines qui nous servent à rien. J'ai qu'une. Ça, on vend ça. On a la musique toute triste. Essayer hein, de faire des trucs. Je peux pas améliorer d'armes, mais je peux améliorer les tenues. C'est pas amélioration. Il y a des nouvelles améliorations de sac. Ah, on a une nouvelle amélioration de sac avec le gantelet du coup. Un cœur de batracite suprême. Ouais, c'est ça que je sais pas comment on va l'avoir. Cœur de batracite suprême. Non mais ça va pas la tête. Non mais sérieusement.
Je sais pas comment on va avoir ça, hein. Sur la batracie tout à l'heure, j'ai pas vu un truc qui s'appelait cœur, enfin. Je sais pas où il est, mais... J'ai pas rejoint. Parce que c'est pas un truc facile à avoir. Alors, plante-toi auprès de l'amiral. Ah, je crois. Bon, du coup, petite pause, et puis on va aller farmer un peu le coin. On va découvrir un peu le coin, je pense. Ah, mais il y a une quête secondaire aussi. Ah bon, bah, peut-être aller à la quête secondaire, alors. Après la pause. Oh, Mimi, comment ça va? On vient de faire une grosse quête de principale. Et là, on va peut-être aller faire un peu une secondaire. Ouais, tu vas garder la surprise. Ouais, il est, franchement, il est excellent, par contre, Mimi. Hein. Il est vraiment excellent. Ah, merci, Mimi, j'avais pas vu. Ah, c'est au masculin. Il est vraiment cool. J'arrive au bon moment. Pause café. Ouais, comme on vient de finir une quête principale, petite pause avant d'aller attaquer la suite. Mais il y a une secondaire qui vient d'arriver, donc c'est cool. Mais je prends mon temps, je savoure, je fais bien les zones et tout. Et ça aide parce que du coup, je peux améliorer mon équipement. Ouais, ils ont vraiment géré le DLC. Je trouve que... J'avais peur parce que bah à ce prix-là, j'avais peur que ça dure pas longtemps et en fait... Ça va. Bon, ils ont géré quoi. Après, on verra si je le, voilà, si je rentabilise prix argent, mais pour le moment, je pense. Ah bon. Des fois, il y est sur Instant. Hier, il y a eu des clés parce qu'en fait, il y a les cartes PSN, mais il y a aussi le DLC. Mais le DLC est tout le temps en rupture. Et hier soir, il y en a eu, mais c'est... ce matin, il n'y en avait plus. C'est... J'ai eu le mail pendant la nuit. Donc, pensez à le mettre sur votre. Recevoir un mail si jamais vous vouliez. Après, je sais pas, il était à combien, du coup, j'ai pas fait gaffe. T'as pas encore lancé, Mimi? Ah non! Il faut le lancer. Il est magnifique. Rien que graphiquement, tu fais des balades des fois dans la nature, mais. En vrai, si vous avez aimé le 1, les gens, vous aimeraient le 2. Parce que c'est le. Bah, le 1 en. C'est quoi? Avec plein de trucs rajoutés en plus. Il y a quand même encore pas mal de... Ils arrivent à faire de la découverte malgré que ça reprenne le même principe. T'as pas fini le 1? Ah bah ouais. Par contre j'avais pris le DLC du 1 et je l'ai jamais fait. Jamais eu le temps de le faire après. Il y avait eu une grosse promo et puis je me dis bah je le prendrai, je le ferai plus tard et au final... C'est le seul truc que j'ai pas fait sur le 1 du coup. Ah, faudrait que tu les fasses du coup. Après c'est vrai que ça prend du temps. Par contre ce qui est bien c'est que, comme je disais, ce genre de jeu, bah tu peux quand même jouer devant les enfants, y a pas de... Voilà, y a pas de coulis de sang, c'est pas gore et tout quoi. C'est pas... Tu peux pas les laisser jouer parce que c'est quand même assez dur. Vraiment normal, des fois il y a des combats, c'est difficile pour moi. Mais c'est vrai que ça, par contre, vous êtes tranquille si vous voulez jouer avec les enfants à côté. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est juste, par contre, pensez bien faire start si vous voulez AFK parce qu'il ouais, peut y avoir des trucs. Vous voulez pas revenir avec un game over. Ah. Peut-être un réglage, ouais, ou peut-être pas comme c'était foutu. Ça me parle quand même que j'avais pas sur le 1 ou sur le début du 2, il y avait un endroit où j'étais un peu patraque. Mais des fois c'est les zones qui font ça. Genre sur Forspoken, il y avait un lieu où tout était en biais, si tu veux. Et ça me rendait un peu malade. Des fois c'est les lieux... Quand tu dois grimper, des fois que t'as la tête un peu en bas ou quoi, ton perso, on sait jamais. Enfin, je sais plus trop, mais. Ça peut quoi. Ouais, Loïc. Il fait froid ce matin ou c'est moi bah, ici, il fait 7 degrés dehors, donc ouais, plutôt. Tout va bien. Il se réchauffait dans l'après-midi. C'est peut-être ça qui t'avait rendu malade. Pour Red, bah, y a tout le monde qui se réveille à 10h. C'est tout le monde qui arrive à 10h.
Comment ça va les arrivants? Vous arrivez pour le moment où j'ai dit j'allais faire la petite pause. On a fait une quête principale, là on va faire une petite pause et quête secondaire. Il y a une quête secondaire qui est apparue, puis j'ai de la recherche à faire. Genre comme ça. Recherche. J'essaie de faire un peu tout, comme ça on profite à fond, on savoure. Ah, 5h. Ah, comme moi en fait. Je suis à 5h aussi. Ouais. J'ai dormi une heure. Et franchement, hier soir, je me suis effondrée, hein, j'en pouvais plus. Ah, moi en vacances, je me lève à la même heure parce que je veux profiter encore plus de la journée. Je veux profiter de chaque moment. Et quand je suis en vacances en général, et bah, je vais voir la famille. Genre, plus avec la petite maintenant. Ouais, à la limite, je tape à la porte de ma chambre de ma soeur en mode si elle veut faire la grasse mat, c'est bon, je m'occupe de la petite, y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Comme ça, tout le monde est content, ils peuvent dormir et moi j'ai la petite. Tout le monde il est content. Bon, allez. Alors, on va chercher à boire et on va se faire la quête secondaire. J'y arrive tout de suite, je mets une petite bataille royale, les chocos. J'arrive.